Bonjour et bienvenue sur Dilly Games pour la suite de Bulletstorm. La dernière fois, on a perdu Monsieur Destruction et ça fait trois fois que je fais cette vidéo. Oui, ça fait trois fois. La première fois, j'ai encore oublié de me mettre en QWERTY. Deuxième fois, plus de batterie. Du coup, voilà la troisième vidéo. On descend dans les tréfonds profonds des abysses. Les supports des murs vont lâcher. Il faut qu'on sorte très vite de là. Ouais, c'est sûr. Oui. Pas de construire une maison ici. Avec tous ces motards démembrés. C'était quoi ce truc-là? Allez, avance. Ouh là là. Je vais aller plus vite comme ça. De toute façon, je viens de le faire. Ça... Oh, y a plus de balles, c'est vrai. Je viens d'arriver ici tout à l'heure. Attention, je te l'avais bien dit. Ferme-la et cours. Faut se tirer de là au plus vite. Oh non. Oh non. Putain, on est dans les boyaux. Mes amis, bienvenue. C'était plus que juste. Sur les plages de Coconut Beach. J'en ai plein le cul de toutes ces conneries. Et je fais une petite ellipse parce que il y a le monde réel qui appelle cette fois. Alors c'est pas le monde réel, c'est Proximus qui me dit. Si vous jouiez à Pokémon Go, il fallait faire. Je m'en ai rien à foutre, je joue pas à Pokémon Go. Notez bien ça. Faut complètement de savoir dans quel état se trouve ton cul. Oh. Faut partir. Je crois que ça le rend tout chaud, Zichy, qu'on saute sur les plages de Coconut Beach. Et là, il y a un barrage, ça doit être le barrage de Coconut Beach. Ah, il y a Skype qui appelle. Sous les final écho du coin, Commodore, besoin de renfort. Les ennemis ont cerné le camp. Soyez extrêmement prudents, barrage investi par les locaux. À tous les autres final écho, rendez-vous au point de rassemblement. On dirait que le signal vient de ce barrage. Un vaisseau de Sarano va certainement arriver. Si on veut le prendre, il faut que la fille nous mène à lui. Donc, elle reste en vie. Ouais, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et voilà. On va la ramener en vie. J'étais arrivé à peu près ici. Tout à l'heure. Si Ishii me laisse avancer. C'est le mec. C'est l'intelligence artificielle. Ah, attendez. Attendez. Et serre les dents. Je crois me souvenir que c'était facile. Bon, tant pis. Bien plus pratique comme ça. Voilà. Mais Devil, tu viens de gaspiller deux jauges sur ce... J'en ai rien à foutre. Allez, ça, comment je recharge mon shotgun. Allez, on y retourne. Joli vu. Qu'on baise deux militaires bien virils dans un ascenseur qui cherchent à se soulager de manière totalement hétéro. Oh! C'est un drôle de rire, ça. Soit c'est ton côté humain qui apprécie mon humour, soit c'est ton côté robot qui me trouve beau gosse. Il y a peut-être un peu des deux. Oh! Et ça m'étonne pas. C'est vrai que je suis beau gosse. C'est pas vrai! Encore un autre gang, avec une drôle de composition cellulaire. Putain, ils ont mutilé les autres tarés. Ces enfoirés aiment bien se planquer. Fais gaffe, ils sont rapides et très musclards. Oh, des munitions. Euh...
Oui, j'avais compris, mais pourquoi vous me le faites faire? Voilà, ça c'est fait. Vous voyez qu'ils sont plus résistants que la moyenne. Le Führer. Allez crever en enfer! Et voilà. En tout cas, ils sont bien équipés, hein, les sauvages ici. Des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages, des sauvages. Il y a un sniper là-haut. Fais chier! Un sniper n'est jamais seul. Reste à couvert. La plateforme du haut. Allez, il me faut une cible. Ah ouais, je me souviens de ça, c'est génial. Les balles de snipe, en fait, elles se dirigent par rapport à vous. Mais avec la souris, c'est tellement plus pratique. Ouais, parce que eux, en fait, ils... En plein dans la carotide. Et voilà. Vous avez vu ça, quoi, c'est vraiment... Il n'y a que dans Bulletstorm que vous allez voir ça. Hein. Ouh, pleine gueule. Repos. Voilà, j'ai pas besoin du petit flingue de toute façon. Alors on va mettre des munes dans le snipe. Ah, téléphone. Allô? Ah, on dirait bien qu'elle a besoin d'aide cette fois-ci. Ils vont bientôt la voir. Elle est prise au piège. Ouais, on a peu de temps. Putain. Là-bas. Piratage de loin! J'ai pas assez pour optimiser. Oh putain, regardez celui-là, quoi! Hein? En tout cas, on peut leur donner une chose, c'est qu'ils sont imaginatifs. Des snipers, même pas des êtres humains. Oh zut. Impact localisé. Oh. Franchement, je peux vous le dire, sur console, ce concept est à chier. Parce qu'allez faire ça avec votre joystick, quoi. Alors qu'avec la souris, c'est tellement plus intuitif, quoi. Je
Je sais pas, moi je trouve que c'est plus intuitif comme ça, tu vois. Allez, récupère les munes. Ils sont loin. Serre-toi du visualiseur. Tue-les tous. J'ai besoin le visualiseur. J'y suis. Ok, il s'est bien planqué lui en tout cas. Oh mais si moi je suis difficile à viser. Putain mais qu'est-ce, comment il est. Mettre à couvert. Putain. Mais comment il vise ces cons là. Putain. Mais comment il me vise ce fada là. Les snipers creeps. Donc eux ce sont les creeps. Regardez ça, la balle elle est sortie de nulle part. Bon bah j'essaie de viser en fait. Il y a un succès, enfin un bonus de fric si t'arrives à en toucher un en visant l'autre. Le problème c'est que c'est très vite cible perdue quoi. Entrée des artistes. C'est le suppositoire quoi. Entre les deux yeux. Vous avez vu cette précision ici là hein. T'as vu. Ils sont loin. Serre-toi du visualiseur. Tue-les tous. J'ai besoin de temps sur le pont. J'y suis. Et de 1. Dommage. Vous avez vu ce que j'ai essayé de faire? On va réessayer. Oh, ça fait peur. Putain, vous avez vu le nombre de snipers qu'ils ont dans cette espèce de planète quoi. T'es mort et c'est chouette. Putain mais c'était dedans là. Très bien. Ah non on baisse pas le pont hein, Ishi là. Ouh le demi-tour de folie. Je crois qu'il s'est fait bouffer par des poissons. Ouais, ouais, j'ai compris, tu veux ton lasso. Cinq balles, putain. Vous êtes radin. Bon, où qu'il est l'autre? Oui, j'avais vu. Oui. Bluff. En tout cas, ils sont moches. Hein. Allez, on continue à essayer de... Non.
C'est les balles sont chères, pourquoi me direz-vous? Bah parce que... Info fracassante. Putain, il chie, arrête de faire ça. Prenez ça, les gollums! Je crois que c'est bon. Maintenant, une capsule. Y'a pas quelque chose ici à récupérer ou... Je crois que j'ai dû le récupérer, voyons voir. Y'a pas d'alcool? Je détecte un kit de largage. Ça fait longtemps ça que j'ai pu crawler quelque part. Voilà, ça c'est bon. Allez Ishi, mets ta bite là-dedans. Allez, ouf, ta saleté de porte. Les voilà. Il est pas mort. Ouh, en pleine gueule. Dommage. Ah zut, c'est sa deuxième tête ça. Tellement plus simple avec une souris. Ça remonte le conduit, celle-là. Hein. Oh, le pauvre. 5 balles. Je fais ça pour avoir un peu plus simple. Il s'est suicidé de toute façon. Bon, y avait de la matière ici pour travailler. Désolé pour cette cyclisme d'hilarité, mais c'est trop drôle. Ultra-violence. Mais c'est qui se planque, les vilains? Mais c'est pas moi qui ai fait ça. Allez. On a toujours du temps pour buter des insectes. Mes insectes. En tout cas, je suis pas mécontent d'être venu ici à Coconut Beach. J'espère que la fille tient le coup. C'est vrai,
Qu'est-ce qu'on va devenir si elle crève? Ce qu'on va devenir? Des morts, Gray. Elle seule peut nous conduire à Sarano et nous sortir de là. Ouais, bon. Tu sais, Ishii, hein, on peut survivre entre mecs aussi, tu sais. Un beau cyborg comme toi et un beau gosse comme moi, tu vois, on pourrait faire des choses. Putain. Rejoignez Sarano pour évacuer. N'essayez pas de me secourir. Les ennemis m'encerclent. Oh non, ils reviennent. Faites-moi un bel éloge funèbre. Comme si. Merde. Viens, il faut y aller. Y'a pas de poisson exotique là-dedans, à part des petits poissons. À 100 mètres. Je le sens mal, ça. Tu peux pas passer à travers les murs, espèce de con! Un peu dans l'oreille. Allez, c'est ça, viens à moi! Ça marche plus. Ah, je suis bloqué. Y a-t-il d'autres bouteilles qui voudraient m'accompagner? Oh putain, regardez, c'est pas des vraies plantes. C'est pas des vraies plantes. Vous croyez m'avoir échappé, hein? C'est beau d'ici. Cette planète devait être sympa avant. Ouais. La planète avec sa plage Coconut Beach et ses insectes fluo qui rapportent des points. Il n'y a rien de caché. Ok. On va vite aller la chercher, sinon elle va encore gueuler pendant des heures qu'elle a besoin d'aide. En attendant, est-ce qu'il n'y a pas une petite binouze par ici? C'est le gars, il a la binouze. Eh, hey, c'est ce qui comment? Non, je déconne. Oh. Je crois que je vais gerber. Le signal s'affole. On est tout prêt. Putain, vous avez vu cette cuisine, quoi. Hannibal Lecter serait fier, en tout cas. C'est le gars YOLO! Elle est en haut! Hey, Ishii, on monte! Tiens-toi prêt! Le comité d'accueil nous attend! Je viens de gaspiller une munition pour rien! Et voilà donc, c'était. Cet épisode de Bulletstorm. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à plus sur Diddy Games. C'était Deville.